Après-midi vraiment difficile, cauchemardesque. Tous les faits de jeu, les buts encaissés, ça a été dur cette deuxième mi-temps. Pas que la deuxième, hein. Je pense que le match a été dur. C'est compliqué quand on prend un carton vite, après on se met vite dedans, après on prend but sur but. Donc, c'est un match pas oublié parce qu'il va falloir, falloir travailler ce qu'on n'a pas bien fait. Après voilà, à 9, c'est compliqué, bravo à eux et à nous de se reconcentrer vite parce que là on fait pas une bonne série, il faut qu'on arrive à la stopper. Ouais, ça va laisser les traces, qu'il y a d'ailleurs elle est suspendue pour les matchs à venir, mais en ce moment c'est un peu compliqué la dynamique. Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce que vous n'avez pas en ce moment que vous aviez en début de saison? Peut-être on a un petit peu une perte de confiance aussi, je sais pas. Après en tout cas c'est sûr qu'en jouant si longtemps à 10, que ce soit à Monaco ou ici contre Reims, c'est compliqué. Alors après à 9 on souffre d'autres problématiques maintenant. Voilà. Faut travailler, corriger tout ça. On va essayer de bien se concentrer, bien analyser le match et pour inverser tout ça. À titre personnel, vraiment t'as surnagé. T'as amené ce que tu pouvais amener, t'as rien lâché tout au long du match. Voilà, après je sais pas si on peut tirer des individualités là-dedans. Voilà, on est tous dedans. Je pense qu'on a tous essayé de s'accrocher, c'était pas facile. Et voilà, après on a un état d'esprit, il faut le garder. Et c'est vrai que ce soir ça fait mal parce qu'on en prend 4 et on est à 9 et en plus on prend 2 expulsés.